Salut mes vaillantes, aujourd'hui je vous propose une séance avec 5 exercices pour vos fessiers qui sont pour moi incontournables. Vous aurez besoin d'une chaise et de votre motivation. Allez, c'est parti! C'est parti, prenez votre chaise. Mettez-vous à peu près 1 mètre devant votre chaise. On va venir mettre son pied sur la chaise. Vous allez devoir descendre vos fesses en arrière, le genou au-dessus de la cheville et la cuisse parallèle au sol. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre votre balai ou seulement un manche pour vous appuyer afin d'avoir un peu plus d'équilibre. Sinon, main sur les hanches, fesses en arrière. C'est parti pour 10. 1. Poussez bien les fesses en arrière. 2. N'hésitez pas à vous replacer. Si votre genou passe devant, n'hésitez pas à avancer un petit peu votre pied. 4. On rentre le ventre, bien gainé. 5. Tenez vos hanches, ne reculez pas. 6. 7. Sur le tapis, c'est plus difficile, le sol est instable. N'hésitez pas à vous mettre sur du carrelage ou du parquet. Une dernière pour ce côté. Ok, 10. Changez de jambe. Placez le pied derrière sur votre chaise. N'oubliez pas, genou au-dessus de la cheville. Moi, je mets le dessus du pied sur la chaise et je viens descendre les fesses en arrière. Mon genou est légèrement trop en avant. Je vais avancer mon pied et je pousse les fesses loin derrière. 10 de ce côté. Les hanches ne bougent pas. Je ne me décale pas. Je ne me tourne pas. Je garde bien les hanches de face. N'hésitez pas à mettre les mains dessus pour tenir vos hanches et bien travailler le fessier de la jambe de devant. 6, 7, 8, on rentre le ventre, 9, on souffle, et 10. Ça commence fort aujourd'hui. C'est peut-être un des plus durs de la séance. Au moins, il sera fait. Deuxième série. Rentrez le ventre, prenez le bon espacement entre la chaise et votre pied de devant. Poussez les fesses en arrière, c'est parti pour 10. 1. 2. Pour l'équilibre, il est important de rentrer votre ventre. Contractez vos abdos. 5. Appuyez dans votre talon. 6. 7. Concentrez-vous sur la contraction de votre fessier. 8, 9 et 10. Deuxième jambe, dernier côté. C'est parti. 1, 2. Concentrez-vous sur votre ressenti. Vous devez vraiment sentir votre fessier de la jambe avant. Contractez volontairement quand vous remontez en soufflant. 6, 7, 8, c'est possible de perdre l'équilibre un petit peu. Contractez vos abdos, replacez-vous et repartez. 9 et 10, bravo. On continue au sol, vous pouvez enlever votre chaise. Pensez à boire un petit coup. Allongez sur le dos. Pieds largeur de bassin. Talons proches des fesses. Relevé de bassin. On va commencer avec les deux jambes, 20 répétitions. En haut, montez le plus haut possible, contractez volontairement vos fessiers, redescendez sans relâcher complètement au sol. 1, 2, 3, je souffle à la montée. 4, 5, 6, toujours le plus haut possible. J'essaye d'aligner mes cuisses avec le haut du corps. 9, appuyez dans vos talons. 10, vous pouvez même décoller les pointes de pied si ça vous aide. Le fait d'appuyer dans vos talons, ça va vous permettre de mieux contracter vos fessiers et de mieux ressentir.
Allez, les derniers. 3, 2, 1. Ok, relâchez. Vous pouvez attraper un petit peu vos genoux. Enroulez le bas du dos. Même exercice. Petite option. Les pieds face à face. Pourquoi ? Pour venir isoler vraiment le travail sur les fessiers et moins ressentir sur l'arrière des cuisses. Même chose, 20 répétitions. Je décolle les fesses. Si vous n'êtes pas confortable avec cette option, revenez les pieds à plat. Première option. Ça travaille aussi bien l'un que l'autre. Simplement ici, j'isole vraiment sur les fessiers. Et moi, ça me permet de mieux ressentir la contraction quand je monte. 9, 10, 11, 12, 13, respirez, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Très bien. Remettez vos pieds à plat. Cette fois, je vous propose de travailler un côté à la fois. Plus difficile. Cheville sur genou. On va essayer d'en faire 12 de chaque côté. Commencez par votre jambe la plus faible. On va dire la moins forte. Pour moi, c'est ma jambe droite. C'est parti. 1. 2. 3. 4, c'est le même mouvement. 5, plus dur car une seule jambe travaille. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien. Allez, deuxième jambe. Cheville sur genou. Inspirez. En soufflant, décollez les fesses. 1, 2, 3, le plus haut possible. 4, 5, gardez bien votre bassin dans l'axe. 6, 7, ne le laissez pas partir sur le côté. 8, ou tournez. 9, 10, plus que 2. 11 et 12. Bravo. Pour les vaillants, une dernière série, une jambe à la fois. Cheville sur genou, inspirez en soufflant. 12 dernières. 1, 2, 3, je rentre le ventre même si je travaille mes fessiers. 5, 6, respirez. 7, 8, 9, je ne repose pas complètement au sol. 11 et 12. Très bien. Si vous reposez les premières fois au sol vos fesses complètement, ce n'est pas un problème. Il faut bien commencer par quelque chose. Deuxième série, dernière jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 2, 11 et 12. Très bien. Relâchez, ramenez un peu les genoux contre vous. Étirez les fessiers et le bas du dos. On continue. Cette fois, on va passer à genoux. Je vais vous proposer un enchaînement d'exercices. Vous allez commencer sur les coudes, genoux sous les hanches, vos genoux largeur de bassin, les épaules au-dessus des coudes. Je vais vous proposer un enchaînement de 3 exercices sur la même jambe. Kickback. Je tends la jambe vers l'arrière et vers le haut. Je ramène, genou sous la hanche. Attention de ne pas tourner et de bien rester les hanches parallèles au sol. 10 comme ça. 1. Je rentre le ventre. 2. Si je ne rentre pas le ventre, ça donne ça. 3. Et là, je travaille mon dos et moins mes fessiers. 4. Je rentre le ventre, je tiens bien gainé, sans bouger le reste du corps. 7. 8. On respire. 9. 10. Gardez la jambe tendue. 10. Jambes tendues.
2, je me concentre sur mes fessiers. 3, travaillez votre ressenti. 5, 6, 7, 8, on commence à sentir la brûlure. 9, accrochez-vous. Il y en reste 1, le troisième. 10, pliez votre jambe, talon au plafond. Le plus intense et celui pour le galbe de la fesse, c'est celui-ci. 1, 2, 3, gardez bien la jambe pliée. 4, 5, 6, 7, 8, on arrive au bout. 9 et 10. Poussez les fesses en arrière, étirez un petit peu. Pas de surprise, deuxième côté. Toujours. Genou largeur des hanches, on rentre le ventre, coude sous les épaules, deuxième jambe, kick back, je plie la jambe, je tends vers l'arrière et je monte vers le haut. 2, on rentre le ventre, on ne laisse pas creuser le bas du dos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attention de ne pas avoir les coudes trop en avant. 10. Sinon, vous allez creuser le bas du dos et avoir mal. Ramenez bien les coudes sous les épaules. Jambes tendues. 10. 3. 4. 5. 6. On tient le bassin dans l'axe. 7. 8. 9. 10. Vous vous souvenez du dernier? Pliez la jambe. Talon plafond. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, le plus haut possible. 6, 7, 8, 9 et 10. OK. Deuxième série, les trois exercices. Même chose, concentrez-vous sur votre ressenti. Ça va brûler, allez mes vaillants, accrochez-vous. Genou fléchi, kick back. 1, 2, on rentre le ventre. Soyez dynamique. 4, la pointe de pied face au sol. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Derrière, jambes tendues. 1, 2, 3, 4, c'est bien, 5, accrochez-vous, 6, 7, 8, 9, 10, talon plafond, gardez bien la jambe pliée, 1, on rentre le ventre, 2, 3, en haut, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on enchaîne. Deuxième jambe, kick back. 1, 2, 3, rentrez le ventre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, oups, 10. OK, jambe tendue. 1, 2, 3, c'est pas important de monter très haut. 4, ce qui est important, c'est de bien ressentir le dessus de la fesse. 7, le haut de la fesse, ici, là. 8, 9, 10, en haut, kick. 1, 2, 3, on rentre le ventre, on essaye de pas trop cambrer. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Poussez les fesses sur les talons et tirez un petit peu. OK, prochain exercice. Je vous laisse remonter sur vos mains. Vos mains sous vos épaules, position 4 pattes, genoux sous les hanches, le dos est plat. On va ouvrir le genou sur le côté pour venir travailler l'extérieur du fessier. Je l'appelle pipi le chien et je trouve qu'il représente bien le mouvement. C'est parti, on part pour 15.
1. Attention de ne pas vous tourner. 2. Je garde les hanches parallèles au sol. 3. Ça va dépendre de la souplesse de vos hanches. 4. 5. Peut-être que vous allez monter que jusqu'ici. Parce que vous n'avez pas les hanches assez souples ou le fessier assez fort. Peu importe. Gardez vos hanches fixes et parallèles au sol. 5 derniers. 4. Vos abdos sont là pour vous aider. Rentrez le ventre. 2. Et 1. Très bien. Même chose de l'autre côté. Je rentre le ventre, je décolle le genou. Part pour 15. 1. 2. Dessinez un quart de cercle du genou vers l'extérieur. 5. 6. On regarde au sol. 20 cm devant les mains pour aligner la tête avec la colonne. Vous regardez devant, vous finirez par avoir mal à la nuque. 3 derniers. 2. Et 1. Ok, on enchaîne. Première jambe. 1. 2, rentrez le ventre. 3. 4. 5. Vous devez commencer à ressentir l'extérieur du fessier. 7. 8. 9. 10. 11, 12, bien, avec l'ouverture du genou, 14 et 15. Dernier côté, 1, 2, 3, respirez, 4, soufflez, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 derniers, 11, 12, 13, 14 et 15. Très bien. Buvez un petit peu d'eau et on finira debout. On finira avec un exercice d'isolation sur votre fessier. Pied largeur de bassin, je démarre le pied légèrement en arrière, je rentre le ventre, posture fière et redressée, montez le talon. À l'aide de votre fessier, vous devez bien sentir le haut, le galbe de la fesse. 3, 4, 5, 6. Si vous pouvez, n'essayez de pas reposer la pointe au sol. 9. 10, 11, 12, contractez votre fessier, 13, 14 et 15. Si vous êtes gêné par l'équilibre, vous avez toujours votre chaise à côté de vous. Prenez votre chaise et n'hésitez pas à vous appuyer. On rentre le ventre, deuxième jambe. 1, la jambe d'appui est légèrement fléchie. 2, 3, les pointes de pied sont dans l'axe et vers l'avant. 4, 5. Attention de ne pas tourner. 6, 7, mais bien de chercher le ressenti sur le haut du fessier. 9, 10, 11, 12, 13, encore 2, 14 et 15. Très bien. Allez, courage mes vaillants, les deux dernières séries. Je privilégie toujours mon travail en travaillant l'équilibre. C'est toujours bon de travailler vos muscles profonds et votre équilibre. Si vous pouvez, ne vous appuyez pas sur la chaise. Pour tous les exercices en général, travaillez votre équilibre. 1, 2, 3, 4, jambes d'appui légèrement fléchies. 5, pointe de pied dans l'axe. 6, ressentez le haut du fessier. 8, 9, 10, contractez volontairement vos fessiers. 12, 13, 14 et 15. Dernière jambe, dernier côté. On tient bien ses hanches, on rentre le ventre, posture fière. Les derniers. 1, 2, 3, 4, 5, c'est très bien. 6, continuez. 7, on est au bout, on a fini. 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 et 15. Bravo, vraiment, vous avez bien travaillé. Vous devez le sentir, hein, vos fessiers ont bien travaillé. Je vous propose de me mettre dans vos commentaires ce que vous avez ressenti, si vous avez des questions. Et n'oubliez pas, vous avez de belles fesses maintenant. Si ça vous intéresse, vous pouvez travailler sur cette vidéo pour affiner l'intérieur de vos cuisses. Allez, on lâche rien. À bientôt mes vaillants.